collectif des éducateurs pour le renouveau de l'éducation en Haïti. C'est revoir toute sympathie par la corporation journaliste là, qui perdu un membre dimanche passé. Et nous avons eu sympathie tout, par tout le monde dans la société, toute famille haïtienne, qui a perdu un proche pendant 2022. Et encore, nous parlons d'un dossier qui est extrêmement important, nous avons un phénomène qui retourne, fait surface encore, c'est le phénomène galon jaune. Lorsque nous considérons le gaz qui sont produits transversal, pas bien, lorsque vous voyez ça de là, le gouvernement s'est fait monter, il a monté le gaz. Lorsque monté le gaz, il a dit c'est pour te faire l'école, c'est pour te faire l'hôpital, c'est pour te faire l'infrastructure routière. Nous rendons compte que rien pas fait. Jusqu'à ce que vous retournez monter Gaza à 128% encore. Nous connaissons automatiquement que Gaza a monté. Tout produit nécessité, tout produit vient monter. La vie chère là encore augmenter. C'est que si vous avez payé 50 gouttes pour payer un transport, pour un transport, taxi, vous n'avez pas payé le côté, c'est 100 gouttes, 150 gouttes. Et vous prévoyez monter Gaza encore. Mes amis, c'est un pico crime que pouvoir ça d'arriver faire peuple haïtien pour ta remonter gaz encore. Nous dit en tant que série, il est extrêmement impossible pour pouvoir ça pour monter gaz pour retourner nous encore dans le phénomène galon jaune. Pendant que vous n'y là, pour nous acheter un galon gaz, vous êtes obligé au minimum pour besoin 1500 gouttes. Et là, nous prenons que taux d'inflation. Un pays qui a boumé pour le bas de chiffres, en Haïti, nous avons plus de 45% de taux d'inflation. Et 1 dollar américain passé pour 155 gouttes. Je dis à l'autre, nous avons dit à partir du mois de janvier, comment que les parents haïtiens pourraient payer un cours pour les gens à l'école? Comment que qui nous va lâcher du riz, manger tout le bazar? Moi, c'est vraiment de pouvoir pour retourner. Sous décision ça qui a fait la une en dans pays parce que nous pas capable dans sens ça c'est demander pour nous serrer les coups ensemble pour que nous capable une éducation de qualité non pas de sentir mes actes coordinateur serré c'est collectif des éducateurs pour le renouveau de l'éducation en Haïti éducateur pour le renouveau de l'éducation en Haïti conférence pour la presse serré absalier peuple haïtien d'une manière générale. N'a profité tout pour saluer presse là qui ses yeux avec oreilles population. N'a salué d'une façon très spéciale. Chaque moment, chaque papa petit qui connaît une obligation pour envoyer tout le monde l'école. N'a profité occasion ça tout pour nous saluer Jeffort. Courage, chaque membre du ministère de l'Éducation nationale te mette sous pied pour permettre, malgré tout problème qui te gagné, quand même nous avons dit, gagné quand même un faible pourcentage l'école qui nous reporte. Yo. Parce que nous-mêmes, au niveau de Serré, à travers le mois de septembre jusqu'à décembre, là, toute conférence de presse nous débat. Tout indicateur était prouvé noir sur blanc, il était impossible pour l'école là ouverte, surtout pour la majorité, dans le mois de septembre ou bien dans le mois d'octobre. Jodi à là, nous avons salué la décision du ministre de l'Esprit Maniga prend avec l'équipe li, côté jodi à yo sorti un calendrier scolaire qui reflétait la grande majorité. Les jodi à, calendrier scolaire a dit l'école a officiellement la ouvert 3 janvier 2023. Mais comme ça, on a demandé au ministre, avec tout directeur départemental, il était capable de faire plus que ça. Parce que l'on a gardé dans le calendrier scolaire, en moyenne sur 200 jours de classe qui t'a supposé gagner, si on a seulement 143 jours de classe, on a demandé quand même, il manquait de faire effort. Comme ça, tout. N'a pris à contre-pied études statistiques que le ministère de l'Éducation nationale mettait dehors. Côté dit qu'il y a environ 70% de monde qui a l'école. N'a dit c'est faux et c'est archi faux. Et la preuve, on est
très grande. Parce que comment on comprendre? Si vous faites étude en fonction des quantités d'établissements scolaires qui ouvrent les portes, ou bien écoutez le rapport, il n'est pas capable valable pour la quantité de monde qui est à l'école. Parce que moi, l'école, par exemple, si, par exemple, j'ai gagné 300 personnes dans l'école moyenne. Si j'ouvre la porte, j'ai monté le rapport, 50 personnes viennent à l'école. Est-ce que c'est 300 personnes qui viennent à l'école? Non! Mais ça, c'est valable pour toute l'autre école. Yo. Et c'est idem pour l'école nationale et les lycées. Tout. Par exemple, il faut un lycée là, qui a deux vacations. C'est deux vacations font celles pour fonctionner. Est-ce que je dis qu'il y a 70% de personnes dans l'école? Non! Mais j'ai demandé au ministère, il faut qu'il révise l'étude statistique que ça a fait. Il faut qu'il fasse en fonction de la quantité de personnes qui allaient par l'école. Mais comme la période là, quand on finit, moi, c'est décembre qui a fini, nous allons faire le mois de janvier. Mais l'effort qui vous fournit aujourd'hui, à dit ministre, c'est dégager le coup de M. Jacques en tant que président partenariat mondial en éducation, en tant que président conseil FNE. FNE, quand aujourd'hui, a collecté $50 avec frais sur appel international. C'est pour jouer le moyen qu'il faut pour subventionner toute l'école de Massio, l'école qui est dans le quartier défavorisé. Et nous bien dit, nous ne pas parler de l'école qui est couverture concordat de Damien. L'école côté aujourd'hui a payé plus que $50,000, $60,000 pour aller à l'école, $20,000-$30,000 pour aller à l'école, et puis l'État subventionné encore. On a parlé de l'école aujourd'hui qui est dans la cité soleil. On a parlé de l'école qui est dans la troisième circonscription. On a parlé de l'école aujourd'hui qui croit les bouquins, qui est cadaran. C'est eux aujourd'hui à serrer à défendre cause. Yo. Mais je dis à petit ministre, s'il besoin, 3 janvier, que tout le monde à l'école, il faut qu'il agisse. Parce que je dis à plus fort l'école, ça y est aujourd'hui là, qui supplée l'intention de place l'État. Parce que la charge de l'éducation, c'est une affaire d'État. C'est l'État qui a la responsabilité d'envoyer, mais de permettre aux enfants d'aller à l'école. Si l'État n'est pas capable, je dis à là, nous-mêmes en tant que citoyens, nous faisons, l'État a un devoir moral pour supporter nous. Et parents aujourd'hui à là, qui n'est pas capable. Dans le temps, l'État était contre subventionner les livres, l'État contre subventionner les uniformes. Je dis à nous, l'État était indifférent. Nous avons dit, ministre, dans le fonds FNEA, je dis à la, il faut que je permette que les parents aient le souffle. Parce que je dis à quelqu'un qui vend $600, qui vend $600, les parents ne sont pas capables. Nous avons fini pour nous dire l'État. Comme je dis à la politique, là, c'est lui-même qui découle sur toute bagaille. Nous ne sommes pas capables de voir un coup de chapeau. Sous toute réserve pour l'international aujourd'hui, là, Capman Enzo, vagabond, volet, drogue, zile, machin zam, aujourd'hui, crasé pays. Mais dans l'international, attention, aujourd'hui, là, la justice est une pour tous. Si aujourd'hui, là, il y a pris sanction, il faut le prendre pour toutes les agolorailles. Zanana coupé gouin, pit koumaron, quel que soit nek aujourd'hui, à mel trempé, dans volet, l'argent pays. Dans 20 zames dans le pays, dans 20 cartouches, dans le service avec drogue aujourd'hui dans le pays, il faut que la justice mette quoi dans le coup. Mais dans le pays international, là, tout, il n'est pas capable toujours de mettre sanction. Et bien, tandis qu'il dit que j'ai les comptes, il pose ses lèvres sous bien. Et puis, aujourd'hui, là, on va dire que bien ça, on va le rester au Canada, on va le rester pour l'État États-Unis. Non! Mais ça, c'est le pays d'Haïti, on est privé. Il faut que l'agence, ça, yo, les gens qui sont sous contrôle, faut qu'ils aillent aujourd'hui à retourner pour venir faire service avec les Haïtiens, pour qu'ils l'école, pour qu'ils aient pour qu'ils l'hôpital, pour chaque petit papa de Saline. Pas oublier nos PAM, c'est professeur Patrice Célestin, nous c'est porte-parole serré, serré c'est collectif des éducateurs pour le renouveau de l'éducation en Haïti. Abdiou la cher médecin, c'est ou gain de preuves parce que là sur Radio Caraïbe, ou dit monsieur Touye Mounio, li rache yo et c'est première fois. Ou tout au moins publiquement, m'entendons mon abdi ça. Ça so abdi à la. Eh bien, n'abba ou par exemple, si vous vite soit allé dans la savane, gagnez un élément que le client, ou c'était des activités qui est postu et autres de tout le monde, mais il y en a dans le monde, d'aller. Oui. Communication pas trop bien passée. On essaie encore. Oui, oui. Nous gagnons plusieurs cas dont un certain tien dans la savane, au caille. Monsieur était tué au su et au vu de tout le monde. Il débarque qui peut le tirer, monsieur. Après ça, il prend un cadavre. Monsieur, ça, qui est-ce que c'était lui-même?
ça a été reproché. Partie du passé, puisque gagner un transfert qui fait objet, que toute population au courant. Il n'y a pas de aucun autre document administratif qui dit que... Non, je vais mettre, on ne peut pas répondre. Mais non, je dis, citoyen, ça a parlé que le commissaire gouvernement est tué. À qui ça a été pour qui ça a été reproché? Donc, quel que soit ça, on a reproché un citoyen dans la société, a, aucun texte de loi par autorisant le commissaire gouvernement débattre, jamais la main ou tirer, ou prendre cadavre. Oui, mais non, mais oui, ça vous connaît le dossier quand même. C'est-à-dire, si ça a intéressé au niveau ça, donc vous connaît qui ça a été reproché. C'est vrai que les bagues doivent mourir, j'en ai dit, mais qui ça a été reproché, citoyen, ça va parler. Hein? Donc, jusqu'à présent, il n'y a pas reproché là, hein, parce que c'est la justice qui peut reprocher un citoyen dans un acte quelconque. Et pas de aucune loi dans le pays, non, qui autorise. Qui ça a été accusé? Qui ça a commissaire gouvernement, tu as un compte lui, qui fait que le rivé tue lui? Bon, commissaire gouvernement, pas de jambes dit, monsieur, que les âmes sous l'île, c'est dans l'échange de tir avec commissaire gouvernement tombé. Mais tout le monde connaît que commissaire gouvernement n'est que débarqué, il supprend monsieur, il va la collade, il tire. Et puis, il prend. C'est monsieur, là, vraiment, il faut sérieux, hein? Parce que c'est ça, n'a pas été expliqué. Parce que c'est vous-même qui informez-nous de on fait. Donc, ça veut dire que sous quoi que c'est Richemont qui est tout il faut qu'on ait qui s'antécédent. Donc, ouais, jusque-là, on peut répondre à une question, mais le plus facile pour dire que c'est Richemont qui est tout il donc, nous ne pouvons pas faire comme ça. Donc, c'est avocat, non, c'est ça? Oui. Oui, c'est avocat, oui. Donc, on ne peut pas faire la guerre comme ça. Donc, c'est qui est-ce qui est reproché, qui ça commissaire gouvernement, oui, tu es avec lui qui fait l'année paraître et puis le tuer. Non, mais ça mais moi-même allô, moi-même gagne un regard de juriste. Par exemple, un citoyen que tout ça soit qu'à reprocher dans la société, un commissaire du gouvernement comme magistrat. Ça pour le commissaire gouvernement fait, c'est ça la loi mandé le fait arrêter citoyen, hein, juge et mener le devant la justice pour le juger, pour le condamner lui. C'est lui by preuve, c'est ça l'avancée citoyen, c'est ça. Maintenant, le commissaire gouvernement, pata et dans la pratique lui, a exécuté des mondes sous prétexte, il y a des mondes qui commettent des infractions dans la société. Hein. Nous-mêmes, nous pas pour personne citoyen, encourager aucun citoyen qui a commis infraction, qui a violé la loi. Nous pour toute la justice et traîner devant Baoul, devant tribune, tout citoyen qui a reproché dans un acte quelconque. Pour y avoir preuve que lui fait un acte-là, et puis pour y sanctionner conformément à la loi. Constitution, nous avons envie de aller. Il a aboli et peine capitale, peine de mort. Même mon qui doit faire objet de peine de mort là, il doit juger d'abord. Pour un juge ouvert qui sorti contre lui, qui passe en force de choses jugées. Et c'est à ce moment-là, il est capable d'exécuter lui. Donc c'est sous Anxa qu'on a gardé le dossier. Alors, concernant Garites, pour qui ça et Richemont, d'abord, même choisi tuer Garites, alors que dans le même secteur, je suis évolué, je connais des gens qui sont plus critiques contre le commissaire gouvernement, et puis, donc, ils continuent à fonctionner. Donc, je ne peux pas comprendre, parce que là où. Oui. D'accord. Et, si dénonciation test, c'est qu'on fait, ou. C'est monsieur surtout qui qu'on a fait une dénonciation ça par exemple et qui priche commissaire ancien commissaire gouvernement yo ingénieur yo n'a fait faux papier pour yo prend tes moun prend bien moun dès que tes gagne information yo li lagué yo gens yo kon di yo yo dit pour y a couramment sans filtre maintenant et tes te vin constituer donc un problème. Et pour le commissaire gouvernement, tout l'autre monde qui était aussi critique que Tessio, rien ne dit que il n'y a pas de soulis pour assassiner. Mais j'ai un dossier de Tesla qui vient passer. La machine dans une sens est fort ralenti et parce que quand vous regardez, je mets place avant l'entrée.
Donc, les commissaires gouvernement ont fait, par exemple, grâce que la loi est réservée pour le président, nan, au lieu de faire audience pour juger les gens, ça qui mérite condamné ou condamné, ça qui est pas coupable pour libérer, ils ont fait l'argent avec les gens pour laguer. Il y a des gens qui sont en prison, je dis, si ce n'est pas prisonnier politique ou, yé, ou bien ou pas gagner l'argent pour payer le commissaire gouvernement, ou pas plaider. Ça, c'est des faits. C'est nous-mêmes qui avons vivé. Bon, ici, il y a un dossier, nous avons un document, pour gagner un type qui était condamné pour le passer un certain temps, 14 ans en prison, non, un certain temps en prison, et il est passé 2 ou 3 ans, et puis il y a la guerre. Et les membres de 17 dollars américains ont été pris pour te faire le gras. Pour te faire le gras. Donc c'est des faits, nous-mêmes, avec les faits. Bon, ici, les juristes, je ne sais pas si c'est un point, si le commissaire estime que ça m'a dit à eux. Ça m'a dit à eux, faux. Je vais mettre un devant le tribunal pour diffamation. D'accord, Chemet, j'aime dire que nous vraiment pas gagné et tant espérer parler à coup dans l'autre occasion pour que nous capables de parler plus sur le sujet qui était concerné nous, qui c'est 2 mois après l'assassinat de Tess Gary, qui jusqu'à présent, selon information, il n'y a pas de monde qui a arrêté. Donc, dans l'autre occasion, nous allons reparler avec vous parce que là, nous avons pression le sous nous. Merci en pile, Chemet. Oui, nous comprenons ça et l'antenne aussi a expliqué que c'est parce que c'est le commissaire qui auteur Zakla avec l'équipe qui fait la prenne comme ça. Maître Josias Jean-Pierre qui tape par la CNU depuis au CAI. Côté dans telle zone, moi fais partie de conviction pour changement, mettez un homme dans le CAI. Et dis comment oui. Bon, Lugo, nous en forme, salut tout le staff là. Donc, bien abdi, salam alaikum à tous les musulmans, musulmans qui ont des émissions, hein, qui sont toujours branchés. Et bien, nous saluons tous les fanatiques, mes membres, convictions pour changement à travers le pays et sur le plan international. Donc. Et puis, nous disons tout le monde dit grave et nous saluons très fort. Si vous connaissez vite de ce macros, oui. Exactement. C'est la caou. Exactement. Donc, tout le monde nous salue. Très bien. Un an. Déjà, parce que le 31 janvier, à fin d'un an, mesdames et messieurs, nous avons une série d'émissions que nous avons fait, toute une série d'émissions que nous avons fait pendant tout le mois de décembre également, exact. Pendant tout le mois de janvier 2023. Qui est-ce que l'expérience qu'on fait dans la conviction pour changement pendant ça? Forme du Louko et Alonso Liago, dans tout ce qui se passe. Oui, il n'y a pas d'intervention. Exactement. Donc, la plus grosse expérience que nous faisons dans la conviction pour changement, et durant un an, ça, et nous parlons là, Louko, c'est pas extraordinaire. Donc, nous venons sentir à travers conviction pour changement mon yo vle on l'autre alternative politique on l'autre classe politique parce que jeunes yo yo mobilisé sérieusement à partir de sur le plan national et international. Donc ou songe à partir de nous te dit mon yo nous même nous ka bay veye à manger nous commence avec automate depuis le 3 décembre et l'année qui se passe là. C'est vrai donc nous mettons dans tuer. Et puis le 23 décembre, nous commençons à faire transplantation de tomates là. Et nous avons une équipe université qui était ensemble avec les différentes universitaires. Bien entendu, dans le domaine et agronomie. Hein. Mon cher, là, oui, c'était sous zone quoi des bouquets. Là, nous commençons à transplanter tomates là. Le 23 décembre, à partir de la deuxième semaine, mois de janvier, tomates là commencent à donner. Tomates là commencent à donner. Et nous venons arriver dans la première semaine février, nous avons un marchand qui commence à prendre tomates, nous avons porté tomates la ville là. Donc c'est une belle expérience et une grande expérience que nous avons fait. Nous passons des paroles aux actes. Et ça a fait un pile monde après nous à travers tout le pays, dans la diaspora. Et nous venons une base de données, les locaux qui montent, qui répertorient tout le monde à côté de nous, organisation. Donc c'est vraiment. Nous venons sentir que à travers conviction pour changement, nous avons soif pour l'autre Haïti. Et nous montrer que nous ca venir avec l'autre Haïti ça à travers filière seulement agriculture là. Très bien. N'a font parler avec agronome italien de source. Agronome comment nous y nous saluons tout mon conviction pour changement, nous saluons tout auditeur auditrice qui attend des bonnes émissions ça. Et dans un moment, il y a parlé de conviction pour changement qui font des nouveaux alternatives. Concernant toute cette personnalité. Eh bien, un an pratiquement déjà, parce que le 31 janvier, pas faire un an, nous avons toute une série d'émissions que nous faire sur ça. Qui est-ce que l'expérience qu'on fait à Agronome des Sources et avec mouvement ça, conviction pour changement?
moi pense que et expérience par moi et moi pense que moi ouais et population haïtienne moi d'après analyse par moi il y a une volonté et il y a un dévouement. OK. Je dis là, c'est vrai que nous connaissons que situation difficile. Il y a des sanctions qui prennent compte pour ces deux mondes. Il y a des mondes qui en République dominicaine et tout ça pour Haïtien passé. Et sur le plan insécurité, nous connaissons Haïtien bouleversé. Je dis là, moi-même, en de la conviction pour changement. Et moi dis que c'est parce que nous pas gagné ça en l'état qui fort en l'état qui vraiment qui soucie pour petit pays. Eh bien. Et moi-même, je pense que tout ça qu'a dit en République dominicaine, je dis à vote Haïti sous tutelle en République dominicaine. Et la République dominicaine a fait superstar et Haïti, c'est plus gros consommateur en République dominicaine, qui a fait République dominicaine faire quoi. Et nous-mêmes, dans la conviction pour changement, il y a des nouveaux alternatives que nous, dit l'État, monde qui est dans l'État, si nous voulons un pays, nous avons une autosuffisance alimentaire, nous, et nous n'avons pas besoin d'aide humanitaire, nous avons créé une propre richesse, nous, à partir de la productivité dans le sens de l'économie. Eh bien, moi-même, je pense que, et moi, je prends deux exemples, Flouko, par exemple, zone de la Tanière, ou bien dans la zone Rivière Marion et Rivière Massac, nord et nord-est. Et que moi-même, dans la zone Latanie, que l'ancien président Jovenel était taboumé pour permettre de créer une opportunité économique, parce que un pays, c'est l'État qui pour fort, avec nous besoin l'État qui fort, qui pour garantir le secteur privé. Secteur privé, hein, nous connaissons l'objectif du secteur privé, c'est faire quoi? C'est ça que fait. En Haïti, que nous avons un paquet parlementaire qui mettait Charles seulement sur le secteur privé. Nèg l'État pense que la justice et autres, nèg qui directeur douane, directeur APN, nèg yo la guéchala sous seulement secteur privé, mais yo pas l'État qui va opportunité avec secteur privé. Tout secteur privé, dans tout le pays du monde, c'est fait l'argent. Très bien. Eh bien, je dis, moi pense que responsabilité à devant l'Assemblée nationale là, nèg qui c'est sénateur député. Moi pense tout, nèg qui directeur, nèg qui ministre, ou bien opportunité. Nous n'avons pas d'opportunité parce que nous n'avons pas l'État fort, nous n'avons pas de justice fort. Très bien. Je pense que nous même nos convictions pour changement, nous pas adhérer avec ça. Comme nous voyons alternative, nous besoin du secteur privé fort. Nous besoin l'État qui vous garantit le secteur privé, qui vous garantit tout investissement monde qui a fait en Haïti. Moi pense que nous allons aller là, nous allons prendre des zones, il dit zone Latanière qui a 30 000 hectares de terre. La 30 000 hectares de terre, nous voulons faire aller vers la production de maïs. Nous connaissons que le coût de production à l'hectare pour un hectare maïs, y compris les frais, et c'est 2 000 $, nous dit que, et pour zone la panier, l'on prend 30 000, qui est à 30 000 hectares, on prend 30 000 multiplier le poids. On prend 30 000, coût de production, on prend 30 000 multiplier le poids 2 000. Très bien. Ça veut dire que nous avons monté de 60 millions de dollars. Eh bien. L'offre 60 millions de dollars, pourquoi les résultats escomptés à l'hectare, comme étant donné ce mot maïa, ce mot maïa, il met 5 tonnes à l'hectare. Bon, nous connaissons que c'est aléa, nous mettons 10 à 15% de terre, nous disons que nous faisons budget sous 21%. Nous faisons budget sous 21 tonnes à l'hectare. L'offre 30 000 multiplié par 21, nous collaborons là-bas 330 000 tonnes. Métrique maïs. L'on prend 330 000 tonnes de métrique maïs. La tonne vendue à 600 dollars américains. Eh bien. Ou multiplié et 330 000 multiplié par 600. Là-bas, où 378 millions de dollars. Eh bien. 378 millions de dollars. Or, Louko, dans 378 millions, où il y a pris l'air pour 60 millions comme investissement. Et là, à partir de là, l'État fait comme profit 118 millions de dollars dans une période de 4 mois. Très bien. Ça veut dire que nous, à partir de comme ça, c'est nous qui allons créer une nouvelle infrastructure agricole. Et pour développer son nom, nous devons jouer entre zone franche, qui c'est entre Marion et l'État, entre Marion et la Tanière, nous devons faire deux 200
nous avons besoin de 200 et plus millions de dollars dans l'emploi direct et l'emploi indirect. Là, nous apprenons que zone nord-est et nord, nous avons blavé au moins, rivière Marie, nous avons blavé au moins et 35 000 hectares de terre. Nous prenons 35 000 pour multiplier par 25 000 au montant de X. L'on multiplie par nombre de ça et résultat escompté à qui va monter de X et vous multipliez par 600. Au-delà, l'offre 35 000 multiplié par 21, il va où 735 000 tonnes métriques et vous multipliez par 600, là va 441 millions de dollars, là va 441 millions de dollars, ou moins 70 millions comme investissement, on prête 371 millions l'État fait. Lorsqu'on prend grand total pendant 8 mois, l'État fait 689 millions de dollars que l'État gagne comme monde, comme ça, pendant un petit temps qu'il y a investi. Donc en fait, je dis à la Pigovision. Oui, en fait, je dis à la Pigovision. Pigovision, conviction pour changement, c'est l'agriculture. C'est l'agriculture. Et Céline, par priorité. C'est l'une des priorités et puis nous connaissons qu'au départ, entre Nathanie et dans son nord-est, nous avons 68 000 personnes qui travaillent direct, nous avons payé $400 américains par mois. Là, nous multiplions $400 américains, nous avons multiplié ça par 400. Est-ce que vous comprenez nous? Très bien. Là-bas, nous sommes 800 000 $. Ça veut dire que les gens sont nous allons travailler en parfaite collaboration avec la banque et l'État pour le mettre, l'État pour garantir l'investissement, ça va mettre 250 pour nous. Et puis pour la banque, 27 cailles, pour le monde, pour l'État mettre courant, énergie, 25 pour le banque, ça va partir là. Nous, même dans la conviction du changement, avec autonomie économique, nous allons les travailler. C'est une aide humanitaire. Et nous allons tout le monde va nous porter. Eh bien. Merci à Bilagonome, donc où dehors pays. Donc oui, on connaît et moi c'est tout ça. Effectivement, dans un moment, nous gagnons des informations que nous comptons. Donc là, sous question de irrigation. Et que Haïti a un problème ça, nous-mêmes, on est quotidien, nous obligés à dynamiser cette nous pour permettre nous pour développer Haïti, il y a ce qu'on appelle qualifié. Et pour le pouvoir, c'est sortir. Il faut gagner capacité pour gérer le pouvoir. Ce n'est pas de la quantité, c'est de la compétence. Et maintenant, Haïti, nous ne pouvons pas quitter la paix par volume, nous pouvons mettre 10 millions de dollars. C'est ça qui est intéressant. C'est qui ça nous a fait pour nous développer le pays. La politique, c'est question, c'est connaissance, c'est cette défaite qui développe le pays. Je sais Haïti qui a un problème, c'est dans le pays, ce qu'on appelle la meilleure qualité. Nous ne pouvons pas être un pays sans nous avoir une meilleure qualité. Et nous avons un salaire qui est meilleur avec le ministère des Finances pour nous donner des multi-qualités pour permettre que nous générer des pays à partir de ces temps. C'est ça que nous connaissons, nous confondons, nous avons une commission de c'est meilleur alternative, nous avons un pays pour merci un pile. Merci un pile, agronome italien de sous. Merci un pile. Alors, on a quoi? Et est-ce que nous, dans tout le pays, bon, est-ce oui. que Josiane dit que la commission pour le changement après un an, nous avons des représentations, nous des coordinations dans tout le pays. Nous avons tous 10 départements. Okay. Et puis sur le plan international, nous avons un pile État États-Unis qui okay. embarqué avec nous. Nous avons des représentants okay. et convictions pour changement à travers l'État. Okay. Nous avons okay. Canada, nous avons bon, la République Dominicaine même, nous chargé avec Haïtien okay. qui embarqué. Et pas de en parole en pile, Louko. Nous avons tellement soif et convictions pour changement. Et yo mandé que ça Dominique a fait l'autre bois là ouais. yo senti que c'est celle conviction pour changement. Non, moi-même ligne conviction pour changement qui yo même nous baï priorité à l'agriculture. Exactement. Et vous regardez que l'agronome des sources non seulement monsieur ah ouais. c'est technicien et l'aime ça parle de question agriculture, il bord des chiffres à l'appui. Exactement. Et tout même ça nous ca fait ouais. dans 6 mois dans 8 mois. Et pas blague non. Parce que ça paye à besoin je dis là. Ça veut dire dans 30 000 hectares de terre et le mot coût de production à l'hectare en Bahia. Donc ça veut dire que l'État sous investit sous 30 000 carreaux de terre, environ $68 000, ouais. qui quantité millions, au cas créer emploi, ou 68 000 moun qui ont emploi, Correct. Et en plus à $400 on paye moun za yo. Correct. Donc c'est pour montrer que l'agriculture vient son business, lié, ou cas créer un pile emploi, ou cas faire un pile développement, ou cas jouer une cop pour investir dans les autres filières. Correct. Donc ça veut dire agriculture là bas il la donne et avec technologie et moun qui connaît et c'est merveilleux nous cas la donne. Pas aucun nouveau pays. Qui n'a pas le délit. Aujourd'hui, madame, monsieur, nous sommes aujourd'hui.